Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Attaque à l'avant du peloton! Un coureur tente sa chance en solitaire! Attention, une attaque dans le groupe de tête! Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Esteban Chavez qui accélère maintenant.
Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. On attaque la descente, les coureurs vont pouvoir récupérer. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Et nous voici à la mi-course. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes.
Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Les coureurs attaquent la descente. Enfin l'opportunité de récupérer. Crevaison ! Le coureur va devoir faire un effort pour rentrer dans le peloton. On vient d'entrer dans le dernier tiers de la course. Le sort va bientôt être joué. Une chute vient de se produire dans le peloton et plusieurs coureurs sont à terre. Attention, un leader est décroché. Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Radio Tour nous a annoncé une chute, mais le coureur semble en mesure de repartir.
Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée.
On vient d'assister à une chute massive. Mais les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Encore 15 km à parcourir. Attaque de Primoz Roglic. On signale l'attaque de Vincenzo Nibali. Oh là, plusieurs coureurs à terre, certainement un accrochage. Décroché! Un leader vient de se faire décrocher. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Les coureurs plongent dans la descente en direction de l'arrivée. Il reste moins de 5 km à parcourir. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive.
Bravo, il a résisté au retour de ses adversaires et peut savourer cette grande victoire. On attend.